CIRUF, la formation en langue étrangère de l'Institut français. On a toutes les méthodes, de la petite loustique jusqu'à cosmopolite. Et chaque école privée a son... Non, ça dépend de l'âge. Nous sommes avec la directrice de communication et de gestion de la librairie Papeterie Guéliz, Madame Naza Bati. Chère Madame, merci de nous accueillir. Merci à vous. Donc on travaille toujours dans le culturel, mais bien sûr on travaille sur le scolaire en même temps. Et on a commencé, c'était une expérience qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours facile. Et donc, mais Dieu merci, ça nous a donné beaucoup de choses, ça nous a permis d'avoir beaucoup de choses sur le marché aussi de scolarité, sur les manuels scolaires, sur les méthodes adoptées, beaucoup, beaucoup de choses. À propos du scolaire, justement, il est de notoriété publique maintenant que le système d'édition des manuels scolaires et de tout ce qui est écrit scolaire et matériel scolaire en général, la stratégie du Maroc a complètement changé, dans la mesure où les éditions ou l'imprimerie, etc., se fait au Maroc et les ouvrages ne sont plus importés. Alors, on se demande, est-ce que ça vous impacte, vous, personnellement, et comment et dans quelle mesure ? Mais là, le problème qui se pose, c'est que le prix est trop cher pour le citoyen marocain, pour ces livres-là. Il y a aussi des livres qui sont édités au Maroc, bien sûr en français, en anglais, ils sont administrés par des écoles, donc, le mais de la conséquence, c'est que le problème qui se pose, c'est au niveau des manuels étatiques ou bien ministériels. Cette année, on a eu une pénurie vraiment des livres. Pourquoi ? Parce que l'accord ou bien la charte a été signée tardivement entre le ministère de l'éducation, le ministère concerné, l'éducation nationale et les éditeurs. Donc, il a été signé le 15 août. Ils se sont arrivés à un engagement le 15 août. L'engagement était trop tard. Et là, ils ont commencé à imprimer. Et dites-moi, est-ce que cette pénurie impacte le prix de l'ouvrage qui sera vendu ou bien ça n'a pas, ou bien ça n'a pas de conséquences directes ? Pour le libraire, non. Il ne peut pas ajouter de prix. Mais pour les bouquinistes, oui. Je le dis, j'assume ma responsabilité. En parlant de la pandémie, justement, je me permets de vous interrompre. Quel poids a eu la pandémie sur l'édition de cette rentrée-ci ? Pour cette année, je ne crois pas qu'il y a eu de poids, mais pour les deux années qui se sont écoulées, oui. Bien entendu. Et au niveau de l'édition en elle-même ? Alors, ce qui a changé, il y a une partie qui avant, si j'ai bien compris, était imprimée ou en tout cas était importée de l'étranger, tandis que maintenant, certains ouvrages sont édités et fabriqués ici. Quel est l'impact sur le prix d'abord de l'ouvrage et quel est donc l'impact, s'il y a une différence de prix, sur le niveau de vente, tout simplement? Je vais vous dire une chose. Il y a des livres qui sont imprimés ici, ils ont les prix des livres importés. Sincèrement parlant. C'est ça. Donc, si je comprends bien, vous m'arrêterez si j'ai tort, mais si je comprends bien, j'imagine que ce qui est imprimé ici, mais ne porte pas le logo homologué par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Ce sont des livres à part. Mais ce sont quand même ceux-là que vous vendez. On les vend. Voilà. Parce qu'ils sont sollicités par des écoles. Voilà, ils sont fabriqués sur place. Le coût de fabrication, ne me dites pas le contraire, c'est valable pour toute chose, doit forcément baisser. Je ne crois pas qu'elle a baissé, parce que d'ailleurs, on n'a pas assez d'imprimeries au Maroc, donc le nombre d'imprimeries est connu. Le taux de fait, comme vous savez, de papier blanc est là, élevé dans tout le monde. Ce n'est pas seulement au Maroc. Donc, l'impact, ça va être bien clair et bien vu, flagrant même sur le Maroc. Nous remercions infiniment Madame Naza ainsi que tous ses collaborateurs dans son établissement pour ce moment très intéressant partagé.